Yasser Arafat a-t-il été empoisonné? C'est la question soulevée par un documentaire diffusé hier sur Al Jazeera. La chaîne Qatari évoque le taux élevé de polonium-210 retrouvé sur les effets personnels du raïs palestinien. Dans les cheveux retrouvés ainsi que sur les traces d'urine, de sang et sur ses brosses à dents, les niveaux de concentration de polonium était bien plus élevé que prévu. Je vais peut-être rencontrer des oppositions. Peut-être qu'Israël ne laissera pas les Suisses venir procéder à l'exhumation. Peut-être que l'autorité palestinienne ne sera pas d'accord, mais c'est ce que je veux. À l'époque, des Palestiniens avaient accusé Israël d'avoir empoisonné leur leader. Il continuait à remuer l'opinion publique, à gêner Ariel Sharon, qui était Premier ministre en Israël. Donc, l'éliminer physiquement, c'était le remède pour en finir définitivement et écourter cette gêne causée pour Israël. Des tricotages, non, mais c'est une correction, ce qui est d'ailleurs l'objet de cette loi de finances. C'est aussi une rectification, parce qu'il est tout à fait fondamental que nous revenions vers les engagements de la France. L'occasion aussi de faire la photo officielle du gouvernement Hérault 2, 38 ministres et ministres délégués qui ont pris la pose sur le perron de l'Élysée autour du président François Hollande. On a un gros sujet et je pense que les syndicats acceptent cette idée de rigueur parce qu'elle est logique. Moi je n'aime pas ce mot que je n'ai jamais employé non plus. Parler comme ça, ça laisse supposer que quand les choses vont bien, qu'il y a un peu de croissance, on peut n'être pas rigoureux. Qu'est-ce que c'est que ces fadaises? Ça veut rien dire. Il faut être rigoureux tout le temps. Les fonctionnaires sont, sont conscients de l'importance de leur fonction et ont envie que leur pays se redresse. Donc ils savent que s'ils y participent, ils peuvent générer aussi leur part de croissance. Et ce sont les fonctionnaires qui permettent le redressement des territoires aussi. Vous engagez, nous n'augmenterons pas la CSG. Est-ce que vous engagez? On n'a pas augmenté la CSG aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui, à mettre en œuvre. Non, mais c'est pas. Me dites, faites pas dire aujourd'hui pour dire que demain ce sera possible. Ce n'est pas dans les propositions de François Hollande. J'allais dire les choses simplement. Il y a une liste déjà suffisamment longue d'augmentation d'impôts pour les plus riches et pour les plus grosses entreprises. Pas besoin d'en rajouter. Cette politique, si elle est appliquée, va conduire, et j'en suis très inquiet, à l'affaiblissement de notre pays. Affaiblissement de notre pays parce qu'on va fragiliser la compétitivité des entreprises en augmentant les charges sur les entreprises. Fragiliser, affaiblir notre pays parce qu'on remet en cause le pouvoir d'achat. Et il y a une mesure emblématique à mes yeux contre laquelle je veux m'opposer, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires qui va être supprimée. Je trouve que cette justice spectacle est totalement ridicule, mais totalement ridicule. C'est de la justice spectacle. Le domicile et les bureaux de Nicolas Sarkozy ont été perquisitionnés ce mardi. L'ancien président et son épouse n'étaient pas présents car ils sont en déplacement au Canada. C'est vrai que faire une perquisition au domicile du président de la République le jour du discours de politique générale, il y avait peut-être un meilleur jour pour le faire. Et voilà, c'est tout. Et en son absence et avec toutes les circonstances qui l'entourent. Mais, voilà, principe de confiance initiale dans la justice, j'espère que les magistrats feront leur travail et qu'ils le feront vite. Les membres de la brigade financière se sont ainsi rendus dans les nouveaux bureaux parisiens de Nicolas Sarkozy, mais aussi dans son ancien cabinet d'avocat et à l'appartement familial de Carla Bruni-Sarkozy où réside le couple. Le juge bordelais Jean-Michel Gentil les accompagne. Il enquête sur la famille Bettencourt et sur un éventuel financement illicite de la campagne présidentielle de 2007 de l'ancien chef de l'État. Cette espèce de médiocrité qui consiste à attendre que le président Nicolas Sarkozy soit parti en vacances 24 heures plus tôt pour aller perquisitionner dans son dos, moi je ne sais pas, mais les Français qui regardent ça doivent beaucoup s'intéresser sur la réalité de la justice de leur pays. C'est injusticiable comme un autre, mais ça concerne tout le monde. Et donc encore une fois, la justice sur ces sujets-là doit faire la lumière. Vous savez, nous vivons non seulement une crise économique, mais je crois aussi que nous vivons une crise morale. On est attendu juste que le président Sarkozy parte en vacances pour perquisitionner le lendemain son bureau, son domicile, son cabinet. La réalité, c'est que lui-même et son gouvernement ont tout fait pour empêcher que surgisse la vérité sur des questions comme l'affaire Bettencourt ou l'affaire Karachi. Que la justice aujourd'hui essaie de faire son travail, ça me paraît tout à fait normal. Et c'est un devoir vis-à-vis des Français. Nicolas Sarkozy, par l'entremise de son avocat, avait pris lui-même l'initiative de dire au juge « L'agenda, il est à votre disposition.
est à votre disposition où ? Chez un huissier. Il avait donné les coordonnées. Or, si je ne me trompe pas, le juge est allé chez l'huissier après avoir fait les perquisitions. Pourquoi ? Ça vous surprend ? Je suis surpris de rien, vous savez. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas tourner à l'acharnement qui durerait pendant des mois et des mois. Mmh. Voilà, c'est mon seul souhait. Mmh. Donc que la justice fasse son travail. Vous croyez que c'est une perquisition qui est non politique ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je trouve Il faut être précis maintenant, parce que les soupçons du juge sont précis. Pourquoi ? Parce que si moi je suis pas précis, je vais aussi me retrouver avec une perquisition, non, monsieur Durand. Vous êtes Roselyne Bachelot pour 24 heures, que faites-vous ? Je me suicide. Commentaire. Oh, c'est quand même très excessif, ouais. Vous en conviendrez avec moi. Vous êtes Henri Guénaud pour 24 heures, que faites-vous ? J'arrête de dire du mal de tout le monde. Et qu'est-ce que vous feriez ? Si vous étiez dans la peau de Nicolas Sarkozy, que feriez-vous pendant 24 heures ? Je reviens d'urgence du Canada, car les juges sont chez moi. Si vous étiez dans la peau de Jean-François Copé ? Je vais serrer la main à François Fillon. Pacifiste. Si vous étiez justement dans la peau de François Fillon ? Eh bien, je vais embrasser Rachida Dati. Une querelle linguistique vira l'affrontement entre députés à Kiev. La majorité ukrainienne a adopté hier une législation très controversée sur le statut des langues dites minoritaires et en particulier du russe. L'opposition accuse le gouvernement actuel, considéré proche du Kremlin, de vouloir faire du russe la seconde langue officielle du pays après l'ukrainien. En Turquie, des pluies torrentielles se sont abattues dans le nord-est du pays, provoquant des inondations éclairs. 8 personnes, dont 6 enfants, sont mortes noyées à Samsun, une ville située sur la mer Noire. Une rivière est sortie de son lit, inondant maisons, caves et magasins. États-Unis, il fait tellement chaud dans le nord du pays que le revêtement des autoroutes gonfle et crée des dodanes pas toujours réparées ou signalées à temps. Conséquence, certains conducteurs se sont fait peur. Celui-ci a carrément traversé l'autoroute après s'être envolé. Il a perdu en plein vol le contrôle de son véhicule. N'est pas Batman qui veut.